Voilà, ça fait partie de ces petits événements inattendus. Monsieur le Proviseur, mesdames et messieurs les professeurs émérites, mesdames et messieurs les professeurs, et tous les membres de l'équipe pédagogique et administrative de la Faculté des sciences de la motricité, chers futurs diplômés, chers parents, familles, amis et amies. Au début de cette cérémonie, et avant de céder la place à une voix bien légitime, permettez-moi d'adresser une pensée à la famille de Thibaut Maton, étudiant en troisième année de bachelier en kinésithérapie et en réadaptation, qui nous a quittés ce 11 juin 2015, emporté par les forces de la nature. Le processus du passage de la formation des kinésithérapeutes à 5 ans est engagé, mais il est lent. Pourtant, un nouveau programme incluant un master en 2 ans rendra l'acquisition de compétences particulières possible. Et notre faculté, grâce à des enseignants, développe dès aujourd'hui des compétences fortes en kinésithérapie du sport, en kinésithérapie musculo-squelettique et en kinésithérapie rôle des équipes pédagogiques et administratives de notre faculté, et plus largement de l'UTS. Je voudrais citer Harvey Mackay qui écrivait dans un éditorial « Un rêve est juste un rêve. Un objectif est un rêve avec une stratégie et une échelle. » Précieuse, nous avons voulu l'assumer au mieux, avec vous, pour que ce jour auquel vous aspiriez soit un accomplissement provisoire. Parce qu'en effet, c'est maintenant que toute la formation tout au long de la vie va s'ouvrir. Mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les membres de la FSM, chers parents, chers camarades de promotion, chers amis. Gwenaëlle et moi-même avons le plaisir de représenter respectivement les étudiants de kiné et d'éducation physique de notre promotion. Nous sommes très émus et honorés d'avoir été invités à prendre la parole à l'occasion de la remise de diplôme.
Cette cérémonie a pour nous tous une saveur particulière, car elle marque le terme d'une étape importante de notre vie. En quelques mots, au nom des étudiants en éducation physique, je peux dire que les 5 années passées à l'ASSM ont été riches en émotions, en apprentissage, pleines de rencontres et de surprises. Nous avons passé de nombreuses heures à nous développer, tant sur le plan physique qu'intellectuel. Nous avons été amenés à nous redécouvrir et à nous surpasser au travers des différentes épreuves qui ont jalonné notre parcours. Comme l'a très bien mentionné Quentin, des obstacles nous en avons franchi. Je crois que leur nom officiel est période d'examen. Les examens, ce sont de loin les moments qu'initient le plus les étudiants entre eux. Tous égaux dans cette période de révision intense, de partage de résumés et de nuits toujours trop courtes. Les autres grands moments de cohésion étant les fameuses soirées mars, la casa, le 3/4 time, à cette différence près que les examens, tout le monde s'en rappelle. D'ailleurs, je revois encore l'attroupement des étudiants à la dernière session de janvier. Étudiants kinés de toutes origines, de Belgique évidemment, certains du POE lui-même, mais aussi du Luxembourg, de Bourgogne, de Bretagne ou encore de Castille. Tous rentrant dans l'amphi à leur manière, certains groupes de courageux y entrant franco, certains groupes de trembleurs y allant à recul. Merci également à nos familles, à nos amis pour leur compréhension, leur patience, leur soutien, leur encouragement. Sure, but I'm sure you do that. In other words,